En 1965, on pouvait entendre Henri Salvador chanter. Le travail, c'est la santé. Près de 50 ans plus tard, rien n'est moins sûr. Nos sociétés modernes ont vu apparaître le mal du siècle, le burn-out. Aussi appelé épuisement professionnel, c'est la conséquence d'un stress professionnel chronique. Il s'agit d'un syndrome mal connu et mal reconnu, puisqu'il n'est toujours pas admis comme maladie du travail, et ce malgré une proposition de loi par Benoît Hamon en 2016, puis par la France Insoumise en 2018. Les symptômes du burn-out se rapprochant de la dépression, le nombre de ces victimes est difficilement quantifiable. On estime ce nombre compris entre 30 000 et 3 millions de personnes, puisqu'il est très difficile de justifier le lien entre le mal et le travail. Pour que la sécurité sociale reconnaisse un burn-out, il faut déclarer au minimum 25% d'IPP. Sur le plan physique, 25% équivaut à la perte d'un œil, la perte d'une main, elle, à 20%. Sur le plan psychologique, 25% correspond à une crise suicidaire avec séquelles. Ces dernières années, plusieurs secteurs ont fait face au burn-out. Au vu de la dégradation des conditions de travail dans plusieurs autres milieux, on ne peut que redouter que cette liste continue de s'étendre. À l'heure des grèves nationales pour un meilleur avenir du travail, quand dans le climat flotte le fantôme de mai 68, militer pour une reconnaissance du burn-out semble plus que jamais d'actualité.